Salut Mythe Passable, on se retrouve donc pour la suite de Final Fantasy Tactics Advance. La dernière fois, on s'est arrêté à où? Ah ouais, lieu désert de Kitli. Bon, vu qu'il dit qu'on pouvait traiter tous les chocobos, la marquise voit-il généralement docile compte parmi parfois des spécialistes très agressifs. Pour vous dire qu'ici, normalement, on peut trouver toutes les couleurs de chocobos. D'après mes souvenirs. Ah non. Non, non, je croyais que c'était tous les troupes de chocobo. Non, c'est juste des jaunes et un rouge. Ok. Je croyais, vu que c'était un troupeau de chocobo, moi j'ai dit de la merde à l'épisode précédent. C'est juste des rouges et des jaunes. Bon bah, excusez-moi, j'ai raconté de la merde. Je croyais, vu que c'était marqué troupes de chocobo, ça serait tous les chocobos. Du moins, dans toutes les couleurs. Je me suis planté, désolé. Sumimasen, je me suis planté. J'étais persuadé qu'il y avait tous les chocobos. Vu que c'était marqué troupeau, je me suis dit, bah là, il y a tous les chocobos possibles et imaginables. Bah non. Bon, bah mes souvenirs ont été trafiqués. Hein. Bon, donc j'avais une mission à faire au désert de Kitli. Bon, bah j'ai raconté de la merde dans l'épisode d'avant. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pour ça que je voulais vérifier que je racontais pas de la merde. C'est pour ça que j'ai déclenché le combat. Renaissance. Y'a pas de musique. Le désert est glacé à la nuit tombée. C'est en de nuit où on s'attend à rencontrer un certain type de monstre. Sid, regarde! Un crabe! C'est Frimelda et... Luxadar, l'homme qui l'a trahi! Vous faites erreur. Ipsur, j'étouffe. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la protéger. Je ne suis pas votre ennemi. Difficile à croire. Voilà, il me faut des personnes avec les techniques. Ah, attaque de dos. Merde, non, mon truc préféré. Voilà, je vais foutre mes humains. Enfin, de toute manière, j'ai pas le choix de les mettre. Je vais foutre lui pour son requiem. Et les autres, je vais voir s'il n'y a pas un niveau. Lui. Attends, attends, on a un putain de camion passé. Je vais voir les habilités parce que là, il me faut. Viser, ok. Pour une fois, je vais te foutre viser. Normalement c'est voix du lotus, conjuration, voilà. Ça aussi, compétence, conjuration, cette substance. Ah bah y'a purification. Attends, non. Le classe sacré, attends. Ah non, je crois que non. Ah, pas pouvoir faire des attaques de dos. Ah, mais merde, faites chier. Tu vas trahir notre rencontre, m'a ouvert les yeux. Frida n'a pas d'être bloqué entre deux mondes. La ville au-delà. Je vais cesser ces souffrances. Ouais, mais j'ai envie de te dire qu'on a trouvé un remède pour la soigner. Ça fait pas plus de dégâts que ça? Alors que mes armes sont sacrées. Remboursé!
Bon, je vais réduire au silence. Est-ce que conjuration, ça se fait à distance? Oh! Allez dire qu'il se prend un coup critique dans la tronche. Le problème, comment je fais pour la soigner? J'ai pas de magie de ténèbres. Déjà, on va limiter la venue vers elle. Envole-toi, envole-toi, et viens pas me faire chier. Voilà. Un zombie de moins. Oui, c'est bien que c'est la technique qui est à distance. Ouais! Mes humains et mes vangas et mon mog sont les unités plus efficaces contre les morts vivants. Mais là, je suis Melda, connard! En même temps, un zombie aura du mal à être empoisonné, hein. Étant donné que c'est un mort-vivant. Le jour où je verrai un zombie être empoisonné, bah putain. Je commencerai à me poser. Oh, magnifique critique! Merci pour la régène. Un peu con, mais bon. Voilà, fini. Waouh, quelle arme puissante on a eu. Nulle part où aller.
Frina, si nous te donnons l'antidote, il y a peut-être une chance. Un antidote? Tu es la sorcière? Tu es au courant? Nous avons été contactés pour remettre un contrepoison à Frimelda. C'est pour ça que nous sommes ici. Je ne sais pas qui vous a confié cette tâche. L'identité commanditaire nous importe peu. On utilise le médicament, Boléro? Merci. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Pourtant, j'ai du mal à y croire. Frimelda, je suis responsable de toutes tes souffrances. Fais de moi ce que tu voudras. Être devenu moi-même, humaine, cela me suffit. Tu me pardonnes, mais pourquoi? Où trouves-tu cette force, cette bonté? J'ai beau me démener, je n'aurai jamais ta grandeur d'âme. Ce n'est pas à moi de juger de mes qualités supposées ou réelles. Qu'on me voit comme parfaite ou plein de défauts, je ne suis que moi-même. J'obéis au destin. Ce n'est pas plus complexe que ça. Tout est si simple avec toi. Comme si notre destinée nous rendait libres. Tu n'as pas à t'inquiéter, je te laisserai en paix. Adieu. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Pour remercier, me permettriez-vous de rejoindre votre clan? Qu'est-ce que tu en dis, Sid? Je dis que je ne vois aucune raison de refuser. Et voilà, nous avons une nouvelle alliée. Bon, je l'utiliserai pas. Je dirais que la meuf elle a envie d'extri, quoi, quand même. Hein. Allez, engagé parce que c'est un personnage rare. Allez, de même niveau que mes autres unités. On va voir un peu ses stats d'attaque. 128, 204, 192. Ouais, elle a un peu plus que tous les autres personnages. Hein. Voilà, on peut recruter donc ce personnage-là. Voilà, 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 voilà. Le mec qui veut chocobo rouge, je la prends. Et on va faire invasion de cocatrice, un marais de trandim. Oula, la pleine quête. Bon bah, il y a une quête supplémentaire, à mon avis ça c'est pour le job élu, à mon avis, le protecteur qui lui était arrivé. Ah oui, il y a un vasin de cocatrice, ah oui, oui, il y en a. Vainquer tous les ennemis. Ah cette loi est un peu... Comment dire ça? Un peu pécouille? Bon bah... On va prendre des personnages qui peuvent attaquer à distance. Là j'ai même pas réfléchi à qui je prenais, c'est... Il me faut des personnages qui attaquent à distance.
On va lui refoutre Kenjutsu. Lui, on va lui refoutre Arg. Septième sens. Aussi. Bon, mes alliés ont pas le droit de finir l'un côté des autres. Capoui! Capou! On demande à quoi ça sert d'une liforme non, si c'est remplacé par des cocatrices. Capou! On a chassé ces cocatrices parce qu'elles piétinent l'air. Quelle drôle de requête. C'est peut-être des pousses de cannabis, hein? Je dis ça, mais je dis rien! Ça se trouve! Les mecs sont pas trop contents qu'on touche à leurs produits, hein? Ouais! Ouais! Ouais, s'approche pas! Ouhou! Ça va être long cette map. Ça va être très long. Mais très très long, je crois. Ouais, très, très 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 long. Mais rapprochez-vous, bande de salopes! Wouhou! Cette mission va être longue, sa mère. Cocorico, tour immédiat, tu paries? Ouais, promptitude. Ouais, tiens. Je te rate demain. J'ai pas la faiblesse. Dommage que j'ai pas des invocations du type O. T'as chier, j'aurais peut-être dû prendre mon Numu, hein. Ou prendre un autre tireur, hein. J'aurais pris. J'aurais enlevé un des tireurs, j'aurais pris mon Numu. Avec sa capacité O, il aurait fait des ravages. Bon, par chance, les invocatrices font le taf, hein. J'aurais dû prendre mon Numu. Mon Numu a une bonne capacité de déplacement et aurait fait de gros, mais alors de très gros dégâts. Tu te prends pour un Piaf avec ou quoi? Du moins c'est Pic Pic. Le tic tic dans Pokémon. Mais oui, rapprochez-vous tous. Que je fasse une belle brochette de cocatrice. Ah, dommage. Ruban. T'en passes un autre jour pour me pétrifier. T'auras peut-être plus de chance. Invocation.
Ça fait pas énormément de dégâts, mais vous avez vu la portée de la technique quand même. Pas énormément de dégâts, mais la portée est pétée. Surtout avec demi-coup, qui permet de littéralement de spam les invocations. Ah bah allez, c'est pesé. Mais ça complique plus de coquetterie à l'horizon. Je m'en fous, t'es de la merde, t'es de la merde, t'es de la merde. Je suis sûr que c'est pour une capacité d'élu. Oh, un chocobo vert, un chocobo noir. Tiens, tiens, deux autres espèces rares de chocobo, tiens. Sur mon échelle, ils sont terribles ces monstres. Même pour le protecteur, ça fait un peu beaucoup. Gadel, ils servent à quoi ces rochers? Ces rochers honorent le protecteur, je pense. Fais renaître la puissance qui dort dans ces rochers, les créatures disparaîtront. T'as entendu? Quoi? La pierre s'est mise à briller et quelqu'un a parlé. Tu n'as rien entendu? Rien du tout. Quoi ou pas, on doit faire quelque chose pour ces monstres. Ravier le pouvoir des roches sacrées, déjà. Ah, j'ai pas le droit à l'agression des faibles. Attention, quel niveau aussi, hein? 44, ouais, bon, ok. Faire ça, c'est donc agresser des faibles, hein. On va prendre elle. Bon là je vais pas attaquer les mobs, je vous dis tout de suite, je vais juste rush. J'ai peur de perdre mon chocobo si je fais ça. Enfin, maintenant les autres rocs. Ça a rien fait au niveau de mes stats. Apparemment. J'aimerais bien avoir l'os de PA, donc pour ça que je touche pas au mob. Mais c'est lui qui m'agresse, hein. Il vient de pas se plaindre.
Ah, il me bouche le chemin, ce con. Aïe, c'est cité. Voilà. J'aurais pas été sur mon chemin, j'aurais pu atteindre ma putain de stèle. Culé, va. Bon, les autres vont pas l'atteindre, donc on va pas se faire chier, on va juste passer mes tours. Bon, ça peut rejouer direct. J'ai vu un chiffre aberrant qu'elle a attaqué. Et là, il y a un piège. Y a plus de mob. Notre puissance de temps jadis est enfin restaurée. Reprends ta route avec toute notre gratitude. La voix du protecteur? Je le fais même pas exprès de faire les quêtes là. Hein. Les faire les quêtes pour le job élu. C'est même pas fait exprès. Yakushi! Yakushiki Masamune! En plus, c'est un katana cheaté. Je crois. Surpassement, ça fait quoi? Plonge dans un profond sommeil! Attends. Ça plonge dans un profond sommeil. Mais si j'ai un ruban, est-ce que ça fonctionne? Ça a testé! Ça a testé, ça a testé, ça a testé, ça. Éclipse. Ah ah. Ce sacré pour appeler les alliés KO et restaurer leur pays ainsi que ceux des autres alliés. En gros, la meuf, elle se suicide. Pour appeler les alliés KO et restaurer leur pays ainsi que ceux des autres alliés. Pour appeler les alliés KO, c'est-à-dire... En gros, elle fait le même truc qu'un phénix. Intéressant, si jamais mes deux invocatrices sont mortes, et après je peux les ressusciter, la rester. Oh, 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 oh. Désolé, je viens de penser un combo un peu pété pour les tours lunaires là. Désolé. Ah, chat, je pense à un combo pété, putain. Parce que ah merde. Et en plus, j'ai pas regardé quelle technique ça donnait pour les autres classes. Parce qu'il y avait pas que pour Élu qu'il y avait une classe. On dit que le jeu a quand même pensé aux armes là pour donner autre chose qu'à l'Élu. Enfin, je crois. Attends. Il y avait d'autres compétences? Bon. merde. Un doute s'immise dans mon esprit là, tu vois. Non, il y en a bien qu'une.
Ouais, je sais pas pourquoi j'avais vu d'autres techniques. Non, c'est juste que je suis con. Oh putain! Bon, bah, vous savez, en gros, vous trouvez des chocobos jaunes à la forêt tag et à goût. Et à goût, on peut avoir en prime un chocobo rouge. Avec les quêtes du protecteur, là, on peut avoir un chocobo noir et vert. Bon, de toute manière, j'ai déjà fait des épisodes où je signalais quand j'avais trouvé tel ou tel chocobo. À quel endroit, à quel mois. Donc, à l'heure actuelle, c'est un putain de détail. T'arrives à être plus rapide que moi, GG. Alors j'ai quand même 100 de rapidité. Le rouge de plaisir. C'est un plaisir d'avoir fini enfin cette truc de quête. Hein. Oh, t'as réussi à capturer un chocobo rouge. Ils sont terribles ceux-là, mais j'ai vraiment envie de les utiliser de plus près. Il a un sacré caractère, Cupo. J'ai eu du mal à l'amener jusqu'ici. Il m'a tellement bossé que j'en ai la tête qui tourne, Cupo. Lorsqu'ils galopent, tous leurs muscles sont tendus. Ce qui fait que c'est presque impossible de les chevaucher. En tout cas, j'ai maintenant un chocobo de chaque couleur. C'est fantastique. Cupopo, je suis sûr que tous ces chocobos seront heureux ici. Voilà. Maintenant, on va le changer de classe. Parce que c'est pas la classe qui m'intéresse. De 50 plus le bouclier Genji. J'oublie de vous foutre une seconde compétence. J'ai fait combien de quêtes? J'ai fait Frimelda, j'ai fait le chocobo. Et j'ai fait la... donc j'ai fait 3 quêtes. 4 quêtes si je compte le truc pour la compétence. Pour les compétences élues, mais est-ce que ça compte comme une quête? Ça la question. Est-ce que ça compte comme une quête ou pas? Ou c'est juste un truc à part. Vous voyez ce que je veux dire quoi? Y a plus rien. T'as pas trop dur quoi d'avoir une quête à faire pour le prochain épisode. J'ai plus rien en quête. J'ai vu des le truc de quête. Hein. Surtout en mode faut attendre un mois avant qu'elle apparaisse. Bon, qu'est-ce que je peux bien forger? Bijoux rouges, on s'en bat. Bouclier crasseux, faites de la merde. Waouh, Tarche 4 Orient. Waouh. Boucle de rubis, waouh. Ah, protège de la sonde d'état charme. Ah ouais. Ah ouais, y'a pire. Équipement de sage. Ah. Bâton du sage, non, j'en ai déjà un. Arc lourd. Allez, on le fait parce que même si je l'ai déjà, c'était pas des trucs rares. Jeu de cartes usées. Ouais. Non.
Ouais. Celle-là, je l'ai pas apparemment. Équipement féerique. Tiens, tiens, qu'est-ce qui va me sortir? Ah, une lyre. Arbre d'effet. Coiffure féminine. Une barrette. Bon, on va en voir si ça comptait comme 3 ou 4 missions. Sauvegarder. Voyons voir. J'étais à 131, donc logiquement, soit je serai à, 100, à 34, soit 35. 35, ok, les trucs des lieux comptent comme de vraies quêtes. Ok. On va sur ce, mes petites pèses, bonjour, je vous remercie de regarder, on donne rendez-vous lors du prochain épisode, et sur ce, et salut, salut.